Salut les amis, c'est Ekaïs. Aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo sur Naruto Storm Connection. C'est la suite des aventures et c'est potentiellement le grand final, les frérots, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour plus d'aventures. Les frères, c'est une pépite, c'est une grosse pépite que vous allez voir aujourd'hui. Manquez pas le rendez-vous, c'est maintenant. Let's go, c'est parti. Allez, j'ai hâte. J'ai hâte, sahbi. Let's go. Hein? Hein? Oh, c'est vrai. Il m'a donné un appareil pour communiquer. Ça fait bizarre d'avoir la VF. Wesh, Melou! Ici, Boruto. Ça va, vous? Oh, Boruto. Est-ce que tu m'entends? C'est Sarada. Je te reçois. 5 sur 5. Boruto, je vais aller droit au but. Dis-moi que tu as réussi, n'est-ce pas? Ouais, j'ai bien géré. Génial. Et vous alors? Est-ce que vous avez réussi à repérer la cachette? Mitsuki, essayons le côté droit. Oui, là. Sarada? Oh, désolé. On est en pleine recherche. Je pense que ça ne va plus tarder. On trouvera bientôt la base. On dirait que vous vous en sortez très bien. Oui. L'outil ninja de pistage que Katasuke a développé est vraiment utile et nous aide beaucoup. Au fait, la mission dans la forêt, bah c'était justement là. Quand on s'est servi de l'outil pour scanner les traces résiduelles de chakra, on a relevé plusieurs signatures suspectes. On a notamment trouvé... Non, elle est cool la VF, Melou. Je te jure, je kiffe. En remontant cette piste, on a pu resserrer le champ de nos recherches. Je vois. Bravo à Katasuke. On peut le remercier. Boruto, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais vous rejoindre. On peut quand même pas laisser Zéro s'en tirer comme ça. J'en attendais pas moins de toi. Bon alors, je vais t'expliquer où on se trouve. Tu vois le mont Egakure? Il est situé au nord-ouest de Konoha. Il y a une fissure qui s'étend sur environ 10 km sur le versant sud. Sarada, attention! Sarada! Sarada, réponds-moi! Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Chapitre final. Duel au clair de lune. Allez, épisode suivant. C'est dommage aussi que tu puisses pas te balader et tout, c'est dommage. C'est dommage. Dommage. J'avoue que... Ouais, c'est dommage. Mais ça m'a donné envie de faire Kakarot du coup. À refaire Kakarot. À terminer Kakarot. Oh, Mitsuki. Regarde, ils ont lancé l'assaut contre nous. Nous, on a réussi à se cacher. Mais Shikadai et les autres ont tous été faits prisonniers. Oui! Mince! En revanche, grâce à tout ça, on sait où se trouve leur base maintenant. J'ai laissé des marques tous les 50 mètres. Il y en a 30 au total. Après la dernière, avance toujours tout droit et tu finiras par tomber sur le repère. Oui, compris. Je prends la situation en main. Okay. Vous retournez au village. Attends. Tu comptes y aller tout seul? C'est beaucoup trop risqué. Ouais, ça je le sais bien. On te fera pas changer d'avis, hein? Mitsuki, prends bien soin de Sarada. Entendu. Quand j'aurai ramené Sarada à Konoha, je reviendrai avec des renforts le plus vite possible. Ok. Boruto, ok. Comment comptes-tu gérer Nanashi? J'en ai appris un peu plus sur elle. Je la connais mieux. Je comprends mieux ce qu'elle a fait, mais aussi ce qu'elle ressent. Elle est le monde des ninjas depuis des lustres, ça, d'accord. Mais elle souffre aussi énormément. Merci Tim pour la rose. Si ça n'avait pas été le cas, elle ne nous aurait pas regardés comme ça. Eh bien, je vais essayer de lui parler de nouveau. Fais attention à toi surtout. Ne t'en fais pas. N'hésitez pas à la team TikTok à venir nous rejoindre sur Twitch. Hein.
On est bientôt à... Déjà, on est bientôt à 50 000 sur TikTok. Je sais pas si vous avez vu, les frères. Dinguerie, wesh. Ça t'avancera de détruire le monde des okay. ninjas. Je comprends pas. Tous ceux qu'on aime vont être... Écoute, je sais que tu es quelqu'un de bien au fond de toi. Tu ne voudrais pas faire une chose aussi horrible. C'est grave. Elle est en train de faire réfléchir, là. Elle est en train de réfléchir de ouf. Il faut éclater merde, frère. Une arme ne requiert nullement un joli nom. Je trouve que Nanashi te convient à merveille. Ignore la douleur. Fais-le pour ton clan. Le problème, ça a toujours été les Uchiwa, les gars. Le problème, ça a toujours été les Uchiwa. Et Tobirama aussi. Épisode suivant. En fait, les que ça soit les Uchiwa et les Senju aussi, frérot. Poupou l'a dit, c'est raciste. Personne ne l'aime, Tobirama. Ok. Hey, tu crois qu'ils vont venir nous sauver? Je sais pas. Quand il en aura terminé de son côté, il finira par venir. Non, mais y a même pas la fille de... Y a même pas la fille de Shoji. Non, mais c'est vraiment des chiens, frérot. Ils augmentent la résistance de la corde. C'est vraiment des chiens. Continuellement de très légères doses de chakra. C'est une dinguerie. Le sexisme. Je reconnais que c'est très ingénieux. Dégoûté. Vous voilà en bien mauvaise posture, Katasuke. Sincèrement, je dois reconnaître que j'ai quand même un peu paniqué en vous voyant approcher de notre repère. Mais comme vous avez dû le remarquer, nous vous avons capturé. Par contre, c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ce que mon contrôle mental sur le monde des ninjas tout entier soit dissipé aussi facilement. C'était à cause de vous, n'est-ce pas, Katasuke? Dites-moi un peu comment vous vous y êtes pris. Le contrôle mental a été dissipé. Est-ce que c'est vrai? Mais alors, ça veut dire que... Il a réussi! Hein? Attendez... Vous n'êtes quand même pas en train de me dire que ce n'est pas oui, mon pote qui l'avait dissipé, Katasuke. Mais dans ce cas, qui était-ce alors? Ah oui, c'était moi. Wesh. Qui es-tu? Bon, ça c'est toujours ça, frère. Wesh, président Naruto, ça va quoi? Tu ne serais pas... Le ninja qui est parvenu à déjouer l'invasion des Otsutsuki. Également, le valeureux fils du 7e Hokage. Valeureux, les amis. Tu me connais ? Je m'attendais pas à ça. Une fois que notre plan a été réalisé, j'ai à un moment envisagé d'éradiquer tous les clans liés de près ou de loin au Kage. Aussi, je me suis renseigné à ton sujet. Toutes mes excuses pour avoir fouiné sans ton autorisation. Sincèrement. Ces conneries là. C'est pas grave. C'est quoi ce truc? C'est quoi ces conneries? De toute façon, tous tes actes n'auront bientôt plus aucune importance. Ma foi, bienvenue dans la base secrète de l'organisation Zéro. Ah, c'est donc toi alors, Merz, n'est-ce pas? Effectivement, c'est bien moi, le chef de Zéro. Et l'entité qui gouverne ce monde des ninjas. Celui qui surpassera Pain et deviendra un véritable dieu. Franchement, c'est tellement risible ce genre de bluff. De telles choses dépassent l'entendement d'un enfant de ton âge. Ouais. Dis-moi, yes, je suppose qu'il serait totalement inutile de te demander ce que tu viens faire ici, n'est-ce pas? J'imagine que tu es venu dans le but de délivrer nos prisonniers et de démanteler notre organisation. Je me trompe? Eh ben, au moins on est sur la même longueur d'onde. Par contre... J'ai juste un truc de plus à ajouter à ton programme. Je vais sauver Nanashi, que tu manipules sans vergogne. Ok. Voyez-vous ça? Hé, hey, laisse-moi lui parler. Approche-toi un peu, toi. Nanashi! Oh, Nanashi! Ouais, fallait l'appeler Ikari, Pello. Je suis venu ici... Parce que j'ai besoin de te parler. Oui, mais moi je n'ai rien à te dire. Wesh. Peut-être pas, mais moi, j'ai un paquet de trucs à te dire. Tu es sacrément obstiné, aussi bien dans le jeu que dans le monde réel. Ouais. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille maintenant? Fais demi-tour
et rentre chez toi. Tu sais bien que c'est impossible. J'ai enfin découvert qui tu es réellement. Maintenant que je sais tout, on peut discuter pour de vrai. T'es trouvé ! C'est Nanashi Uchiwa ! Pinaise. Attrapez-la ! Et enfermez-la ! Oui ! Nanashi ! Si tu restes, je te ferai disparaître. Il n'est pas question que je parte sans toi. Oui ! Presque de l'over, ça ! Je comprends rien. Tu es vraiment un imbécile. Va-t'en ! Je refuse de me battre, pas contre toi. C'est pas possible d'être aussi têtu que ça. Sérieusement. Allez. Fiche-moi le camp d'ici, maintenant. Rand, il a dit c'est le film, c'est le jeu. Ah ouais, tu t'appelles Nanashi pour de vrai, frérot ? J'étais un griot. Réussir un combo de 15 coups, vas-y. Portez-moi chance, les amis. Oh, je vais enchaîner. Combien de temps tu comptes encore collaborer avec Zéro ? Jusqu'à la destruction. Arrête ! Tu veux vraiment aller jusque-là ? Tu crois sincèrement que c'est ça qui te rendra heureux ? Ok, c'est bon. Ouais, tiens dans ta gueule. Écoute, je sais que tu as vécu un enfer. Bon, tu peux la toucher ou pas ? Comme une arme et un instrument retenu prisonnier. Tu te trompes si tu crois que ta haine s'envolera en faisant ça. Voilà mon pote. Rien du tout. Voilà, dis-lui la Boruto. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. J'ai tellement de haine en moi. Oui, ça grogne. Tous les ninjas. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours ressenti cette haine. Et toi, tu t'imagines savoir ce que c'est ? Bien sûr. Mais arrête, elle me fait trop mal. Wesh, arrête. Elle est en mode éveil ou quoi? Ok. Oh, je l'ai éclaté. Je l'ai défoncé, Nanashi. Dis-moi pas que je suis pas à 60%. Non, j'ai pas réussi. Je crois que j'ai pas réussi, les gars. Randy l'a dit, c'est pas toi qui joues ? Bah si. Pour être honnête... Ok. Je pensais sincèrement que je réussirais à te convaincre, à te faire changer d'avis si j'arrivais à discuter avec toi. Mais bon, je devais sûrement être trop naïf. Mais tu vois, Melou. Au final, c'est pas Nina qui joue dans Nice. Je crois que c'est toi qui as raison. Noël Pablo. Après tout, je te connais que depuis quelques jours. C'est sans doute idiot de ma part de croire que je pourrais réussir à te comprendre. On a vécu dans des mondes différents. Je suis né à cette époque et je n'ai pas eu une vie difficile. Toi, tu es né à l'époque de la guerre des provinces. Et on s'est servi de toi comme arme de guerre. Tout ce que tu renfermes en ton cœur est bien plus pesant et sombre que je n'avais pu l'imaginer. Je le reconnais. Quand on y réfléchit, on est radicalement différents, toi et moi. Tu comprends enfin. Nous n'avons absolument rien en commun. Ah, la voix, elle est ouf. Ça, d'accord. Mais c'est pas pour autant que je vais te tourner le dos. Tu peux me croire. Et puis, après tout, si on est tellement différents... Il faut juste qu'on se rapproche l'un de l'autre. Wesh, va l'embrasser, frère. J'ai besoin de plus de temps pour réellement réussir à comprendre ce que tu ressens. Je n'ai pas encore eu l'occasion de mesurer toute la souffrance que tu as eu à endurer. Mais ça, ce n'est que temporaire. Pas la peine de tout déballer d'un seul coup. Mais s'il te plaît, parle-moi de toi. Dis-moi ce qui te ronge. Et comme ça, on pourra réfléchir à une solution tous les deux. On avancera, pas à pas, à ton propre rythme. Et avec le temps, on remplacera ces mauvais souvenirs par des bons moments. Et au pire, sache que pour moi,
Avoir pu faire connaissance avec toi dans Ninja Heroes, c'était génial. Du moins, pour moi. Tous les deux, on n'est plus vraiment des étrangers maintenant. Bah, quel lover, les gars! On est amis, nous deux. Allez, viens. Il n'y a rien d'insurmontable. Bah, on est amis. Tu n'existes que pour la gloire de notre clan. Tu anéantiras nos ennemis, même si tu dois en mourir. Pas besoin d'avoir des émotions. De toute façon, tu passeras ta vie à servir d'arme. Wesh. Espèce d'idiot! Tu es stupide ou quoi? Dis-moi, est-ce que moi tu as fait l'effort de m'écouter? Entends-moi bien, je déteste le monde des ninjas. Je le déteste au plus haut point. Ouais. C'est pour ça que je veux le détruire. Pour enfin me débarrasser de cette haine définitivement. Tu veux créer des bons souvenirs pour remplacer les mauvais? Eh bien moi, ce n'est pas du tout ce que je veux! Je veux réduire le monde des ninjas en cendres et rien d'autre! Je ne changerai jamais d'avis. Alors économise ta salive, compris? Arrête de mentir, tu veux? Mais je m'en bats! Bien sûr que si! Arrête! Alors dis-moi, Nanashi, pourquoi tu pleures? Puisque tu ne mens pas. Mais en fait, tu ne fais que... Tais-toi! C'est ta faute! C'est ta faute, tout ça! Tu m'embrouilles l'esprit. Je ne sais plus où j'en suis! Nanashi, tu n'as qu'à éliminer la source de ta confusion. Tue donc, Boruto. Fais disparaître ton hésitation et tu pourras prétendre à cet avenir que tu désires tant. Un monde sans aucun ninja. Nanashi, il ne faut pas l'écouter. Je t'en conjure, si tu fais ça. Je t'ai demandé de te taire. Arrête, compris? Arrête de me faire souffrir. Arrête. Arrête. T'as vu ou quoi, Weasley? Pourquoi tu fais ça? Arrête de m'embrouiller. Oh, mon Gekku Sharingan, let's go. Ok. Juste, imagine de survivre. Ok. Alors arrête d'essayer de rentrer dans ma tête. Ouais, justement. Je ne sais rien du tout. J'ai pu découvrir qu'une petite partie de ton passé. Mais c'est tout. Bon, je vais l'enchaîner, les gars. Je vais spammer nos jutsu et relâche. Hein. C'est bon, bah. Je sais ce qui te fait tellement mal. Parce que je l'ai vu. Quoi? Je l'ai pas touché? Mais c'est sérieux, là? Alors parle-moi de cette douleur qui te ronge. Exprime-la. Allez, on la touche d'ici. C'est tout? C'est bon? Non, c'est pas bon? Écrase-les tous! Allez, wesh. Anéantis tous les Senju! Tu n'as plus de parents. Tu n'as ni frère et sœur. Et tu mettras tes pouvoirs au service du clan. C'est tout! Ok. Il s'est passé quelque chose? On peut avoir une autre image ou... Est-ce qu'elle serait pas? Je crois qu'il vaut mieux ne pas la regarder. Elle n'est pas comme nous. Non, pas comme ça. T'inquiète pas, c'est pas ce que tu crois. Je suis venue ici parce que j'ai besoin de te parler. Il n'est pas question que je parte sans toi. Pas la peine de tout déballer d'un seul coup. Mais s'il te plaît, parle-moi de toi. Tous les deux, on n'est plus vraiment des étrangers maintenant. On est amis, nous deux. On est... Ah là 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 là. Oui. Mais elle est malade, elle! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi est-ce que t'es tout le temps dans ma tête? Parce que t'es amoureuse! Ces souvenirs atroces sont bouclés dans mon crâne! Pourquoi est-ce que j'entends ta voix dans mon esprit? Pourquoi
J'entends ta voix. Alors que je te trouve insupportable. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas de réponse à tout ça. Je n'ai rien à voir avec tes souvenirs douloureux. Je te l'ai déjà dit pourtant. Ça me coûte de l'admettre, mais je ne peux rien changer au passé. En revanche, je peux te promettre une chose, c'est de t'offrir un avenir beaucoup moins sombre. On pourrait jouer à Ninja Hero si tu veux, ou même partir ailleurs avec les autres. Qu'en dis-tu? Allons. Comment faire ça, frère? Tu lui proposes de jouer à un jeu vidéo là, mon ref. Pas faire avant. Tu vas manger une glace. On va pas aller jouer à un jeu, wesh. Il est ouf, lui. Dis, on va jouer à Ninja Heroes. Mais pour ça, il faut que tu me laisses une chance. Une dernière chance de te faire changer d'avis sur les ninjas et leur monde. Pour que tu ne les détestes plus jamais. Elle pleure. C'est l'effet Uzumaki, ça. Et le père, t'es le fils. Tu me déçois tellement, Nanashi. Merde, il a une voix de zinzin, merde. N'avais-tu pas l'intention d'anéantir le monde des ninjas pour pouvoir enfin assouvir ta vengeance? Le monde des ninjas n'était-il pas l'origine de toute ta haine? Tout compte fait, tu n'étais rien d'autre qu'une enfant. J'emmène Nanashi avec moi. À présent, ton sort m'importe peu. Je n'ai que faire de ce qui ne m'est plus utile. Si tu la veux, prends-la donc. Je te la laisse. C'est sans importance, finalement. Ok. Ce qui ne t'est plus utile? Comment oses-tu? Alors c'est ça, hein? Nanashi n'est qu'un outil pour toi. Tout comme elle l'était pour son clan. Écoute-moi bien. Je touche du doigt à la divinité. Les seigneurs féodaux, les cinq Kage et les reliques du passé sont tous inférieurs à moi. Toi aussi, tu n'es qu'un outil à ses yeux. Ça ne te pose pas de problème? T'as un baiser, lui. Je me moque bien de la façon dont on me considère, tant qu'on me laisse tranquille pour fabriquer mes outils ninja. Il m'a aidé à réaliser tellement d'outils. Je dois reconnaître que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Oh non, jamais! Tu commences vraiment à m'énerver. Mais j'accepte ton offre. Et j'emmène Nanashi. Très bien. J'accepte de te laisser repartir avec elle. Mais pas avant de l'avoir entièrement exploitée. Et là, je n'ai pas encore tout à fait terminé. Hé, hey, toc toc. Oh, comment ça? Attention! Wesh. Nanashi! Qu'est-ce qui se passe? Jeune maître! C'est... Oui! Et mais... Qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, tu ne vas quand même pas me dire que tu croyais qu'on allait briser son sceau sans avoir réfléchi à un plan de rechange? Tu l'ignores peut-être, mais sache que je suis de nature extrêmement prudente, surtout pour ce genre de choses. Oh, quel chien! As-tu déjà entendu parler du sceau maudit interdit? Oh. Il suffit de le poser sur une cible pour prendre le contrôle de celle-ci. Un vrai jeu d'enfant. La cible conserve une certaine mesure de liberté, mais elle est incapable de trahir son maître. Et si besoin, il est même possible de la soumettre entièrement à sa volonté. C'est un moyen idéal pour contrôler une arme humaine. Franchement, tu n'es pas de mon avis? Naturellement, nous avons modernisé cette technique. Alors, que dis-tu de ce joli serre-tête? Il est plutôt chic, hein? Tu ne trouves pas? Oui.
Personnellement, j'accorde toujours beaucoup d'importance aux apparences, tu devrais le savoir. J'ai encore besoin d'elle pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Je vais de ce pas drainer intégralement la puissance accablante de cette arme. Te voilà enfin libéré de tes entraves, ma chère arme. Tu peux laisser libre cours à ta fureur à présent. Nanashi ! La dinguerie. Nanashi ! Naruto ! Nanashi ! Arrête ! Fais pas de bêtises, Nanashi ! Naruto, c'est pas le moment d'hésiter ! Bats-toi ! Défends-toi ! Ou tu mourras ! Oh mais... Ne t'en fais pas ! Combat comme tu as l'habitude de le faire. Si jamais tu... C'est pas le moment, Nina. On pourra intervenir pour l'aider. Ce ne sera pas aussi simple. Tu as face à toi... Oh, parle bien de Nanashi, toi. Il est ouf, lui, 221. Parle bien de Nanashi. Rien contre elle. Boruto, pas le temps de réfléchir. Allez, bats-toi. Fred, on en parle juste après, d'accord? Ne bouge pas. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? Toucher 3 fois l'ennemi avec un ninjutsu? Facile. Finir avec plus de 60%? Facile. Vas-y, let's go. Une fois. Est-ce que tu m'écoutes, au moins? J'en doute. Je te l'ai dit, elle n'est plus qu'une marionnette. Ça fait mal. Il n'était guère judicieux de lui accorder ce semblant de liberté. Ça a semé le doute dans son esprit. Deux fois ? Allez, une dernière fois et c'est bon. Et trois fois. C'est bon, maintenant on va pouvoir la spammer, les gars. Oh punaise. Wesh, elle m'a touché d'ici là. Ah ouais, c'est vrai que c'est... Aïe, mais elle m'a retouché d'ici là. Arrête, wesh, elle est trop... Mais elle est trop rapide, frère. Wow, 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 là, je suis en train de me faire éclater, par contre. J'ai pas réussi le 60%. J'ai pas réussi le 60%. Elle était trop... Là, elle est trop forte, là. Wesh, 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 mais elle fait trop mal, je vais perdre. Bah ouais, frérot, elle est trop forte. C'est un truc de fou, elle me laisse pas tranquille. Elle fait que spammer. Ok. On reste en mouvement. Mais non. Oh punaise. Wesh, ma vie. Arrête! J'ai ma vie, je vais mourir contre Nanashi! Mais je te jure, elle est trop forte, frérot! Qu'est-ce qui t'arrive, Nanashi? C'est tout ce dont tu es capable? Je te jure, elle est trop forte, je te promets! 2? 3? Mais punaise! Elle a permutation de l'infini! Oh! J'ai ma vie! Ma vie! Je vais mourir contre Nanashi! Tout à fait surprenant. Je ne t'aurais pas cru capable de vaincre Nanashi. Peut-être qu'elle a conservé une certaine indépendance finalement. Elle était trop forte. De retenir une vraiment de sa puissance. On peut régler ça en augmentant mon contrôle sur elle jusqu'à la priver de toute conscience. Est-ce que ça va?
Oh non. Oh. Je crois bien que c'est wesh. Dedans est mort. Non, je te jure, Yurichi, elle était trop forte. Non, non. Tu es plutôt coriace. Un dernier coup l'achèvera, c'est sûr. Wesh. Aïe, 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 le goat. Le goat. Magnifique. Parce que t'es en facile, frérot Yorushi. C'est bon, ils sont là, les deux. Ça alors, papa? Tu peux nous laisser nous occuper du reste. Ça a assez duré comme ça. À nous deux. Oui. J'ai jamais vu Naruto faire un regard comme ça. Ainsi, les pêcheurs sont arrivés. Les pêcheurs ? Parle pour toi, oui. C'est toi qui as tout fait pour plonger le monde des ninjas dans le chaos le plus total. Imbécile. Vous n'avez pas idée de l'ampleur du péché que vous avez osé commettre. Qu'est-ce que tu racontes ? Si notre organisation est baptisée Zéro, c'est parce que notre mission consiste à faire repartir le monde des ninjas de Zéro. Pourquoi donc vouloir revenir en arrière alors que le monde connaît une période de paix et de prospérité, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement parce que le monde actuel, celui que vous avez bâti, est mauvais. Wesh. En quel honneur, frère? On croirait entendre les paroles d'un révolutionnaire. Tu connais bien les bas-fonds de la société, toi. Mmh. J'imagine que tu n'es pas totalement étranger à la propagation effrénée du mal. Toutefois, avec Zéro, c'est différent. Tous mes disciples se sont tournés vers moi pour que je change le monde. J'ai peut-être fondé cette organisation. Merci pour les roses. Même, merci, merci Samy, merci Nanashi. Ont embrassé ma cause de leur plein gré. Ils se sont tous portés volontaires pour me venir en aide. Et ils partagent totalement mes convictions. Où veux-tu en venir? C'est vrai. Passons à la conclusion. Ce monde réclame une guerre de grande ampleur. Vous, vous vous contentez peut-être de la paix et de l'ordre. Mais ce n'est pas du tout le cas de tout le monde. Le problème, c'est que la paix efface le conflit. Et l'ordre nie la raison d'être des ninjas. C'est cette nouvelle ère que vous avez instaurée lors de la quatrième grande guerre ninja qui a fini par engendrer une faille due à l'absence de conflit. Lorsque le monde ne cherche pas le conflit, quelle issue reste-t-il à tous ceux qui souffrent dans cette faille? Ils se sont tournés vers l'organisation Zéro à la recherche d'une vocation. Je parle de ceux qui ne peuvent s'exprimer que par le combat. De ceux qui brûlent d'éprouver leur force. Des mercenaires. Certains d'entre eux ont perdu leur famille lors des conflits passés et cherchent aujourd'hui à extérioriser leur colère. Ils sont à la recherche d'un conflit. Ils rêvent d'un monde dans lequel ils pourront causer du tort, faire couler le sang et évacuer leurs émotions. Ils aspirent tous au règne de puissance pour lequel Pain s'est si longtemps battu. Non. Pain, tout ce que Nagato désirait était la paix qui succéderait au conflit. Ouais. Tes méthodes ne font qu'inciter à la violence et sans aucune raison en plus. Et qu'y a-t-il de mal à cela ? L'histoire est cyclique, tu sais. La guerre s'achève, la paix s'installe alors, puis la guerre éclate à nouveau. Ainsi vont les choses, que veux-tu? J'ajouterai aussi que, même si je partage les croyances de Pain, je ne désire pas me conformer exactement à la vision qu'il a des choses. Je ne suis comme personne. Je suis un individu unique. J'ouvrirai une ère basée sur son idéologie. En d'autres termes,
je détruirai le monde des ninjas actuels et commencerai une nouvelle période de guerre. Mais c'est un ouf, lui. Et une fois que j'aurai accompli cela, je deviendrai un dieu qui éclipsera Pain. Wesh. Pauvre inconscient. Est-ce là tout ce que tu souhaites? Ce que tu essaies de faire nécessite bien trop de sacrifices. Que ce soit de ton côté ou du nôtre, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est semer la souffrance dans le monde des ninjas. Les grandes ambitions ne vont pas sans grands sacrifices. Les membres de Zéro en sont parfaitement conscients. Non merde, c'est rien à voir avec Pain. C'est un malade, c'est tout. Elle a accepté de mettre ses capacités au service de l'organisation dans l'unique but d'anéantir le monde des ninjas. Il est trop bête. Peut-être avant. Il est trop bête, lui. Mais Nanashi ne veut plus de ça. Non, effectivement. Elle a perdu l'envie de se battre parce que quelqu'un lui a mis des idées dans la tête. Inception. Il n'est même plus possible de la contrôler. Inception, les gars. De notre point de vue, elle n'est plus qu'un fardeau désormais. Néanmoins, elle peut encore m'être utile. Boruto Uzumaki, tu as exprimé ton souhait de l'emmener avec toi, n'est-ce pas? Je te la laisse. J'ai déjà épuisé ses ressources. Nanashi! Espèce de... Naruto! Tu as baissé ta garde. Oui! Mais c'est un malade, ce mec. Mais il est ouf. En plus d'être bête, il est fou. Mais il est bête, trop bête. Toucher deux fois l'ennemi avec une attaque de soutien. Vraiment trop bête. Allez, vas-y, c'est parti. Belle réactivité, Naruto Uzumaki. Hélas pour toi, tu es bien trop naïf. Tu es allé beaucoup trop loin, merde. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Sérieux, là, je touche pas. Tu ne partiras pas d'ici vivant. C'est un véritable honneur pour moi de combattre le plus puissant ninja de l'ère actuelle. Je suis prêt maintenant. Ok. Wesh, fais quoi là? C'est quoi ces conneries là? Dans ma jeunesse, j'ai combattu aux côtés de Pain durant la guerre civile du village caché de la pluie. C'est là. Ouais, vous êtes chez potes quoi. J'y ai peut-être perdu la vue, mais jamais je n'ai cédé au désespoir. En effet, j'ai été séduit par l'idéologie de Pain. Et ensemble, nous avons fomenté la révolution. Cependant, Pain a fini par s'incliner face à toi. Et le village caché de la pluie a alors décidé de se tourner vers l'extérieur. À ce moment-là, on m'a abandonné. Bangs! Nanashi était plus dur. Tout le monde m'a oublié en même temps que Nanashi était largement plus dur. Par contre, Naruto, c'est trop une dinguerie là, j'ai que du A, wesh. Sans ton intervention, Pain ne serait jamais mort. Et je n'aurais pas eu à fonder l'organisation Zéro. Tout est de ta faute. Tu n'imagines pas à quel point ton existence a considérablement influencé ma vie. À mon plus grand agacement. Oh merde. Voilà le plan. Tu nous as fanés, frère. De le coincer par là. Il nous a saoulés. Que dire de plus? Vous m'impressionnez. Tu pensais vraiment l'emporter avec des compétences pareilles? Pain, il l'aurait puni, frère. Estimer nos capacités à Sasuke et à moi-même. Ma victoire est à portée de main. Je réalise que j'ai bien fait de vous attirer jusqu'ici. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? En temps normal, mes pouvoirs ne seraient pas à la hauteur des vôtres. Mais la situation n'est pas à votre avantage. Malheureusement pour vous, vous êtes déjà complètement épuisé par vos affrontements précédents. Autant dire que vous n'avez quasiment plus aucune énergie. Hein? Avouez, vous avez échoué à me soumettre.
C'est pour ça que tu penses pouvoir l'emporter à présent ? Wesh. Si c'est le cas, tu as commis une grave erreur. Épuise-nous autant que tu le souhaites. Mais quoi que tu fasses, c'est quand même nous qui gagnerons à la fin. Est-ce que vous connaissez la technique appelée Yachioko ? Grâce à cette technique, son utilisateur contrôle librement le chakra de la personne ciblée. Ensuite, il peut l'absorber sans aucune limite. Le clan Uchiwa a eu recours à de nombreuses reprises à cette technique pour tenter d'améliorer au maximum leurs arts des pupilles. Finalement, ils ont peut-être échoué. Mais l'apparition du Yachioko a tout de même fait trembler le monde tout entier. C'est donc ça, le pouvoir de Nanashi Uchiwa. En effet, tel est le pouvoir de Nanashi. Il s'agit là d'une technique qu'elle est la seule à pouvoir manier, grâce à son Sharingan. Mais voilà qu'un beau jour, j'ai fait une découverte qui allait tout changer. Du moins, qui allait tout changer pour moi. Un nouvel œil artificiel, récemment inventé. Les responsables n'approuvaient pas cette création, mais elle restaurerait ma vue et me conférerait des pouvoirs sans aucune mesure. Hein ? Non, c'est toi qui lui as donné ses yeux artificiels, dégoûté ! En effet, vous avez tout compris. J'en ai fait offrande au seigneur Mertz et j'ai obtenu d'excellentes données en retour. Je dois bien reconnaître qu'il n'a pas été chose facile de nous assurer une réserve de chakra suffisante, mais j'ai fini par trouver une solution parfaite. Oh, attention! Soyons prudents! L'œil artificiel créé par Tegusé est capable de copier les arts des pupilles! Les copier? Mais alors, ça veut dire que... Précisément, oui! Eh oui, vous comprenez enfin. Il permet à son utilisateur de recourir aux arts des pupilles qui étaient auparavant réservés à certaines lignées. Ce sont les yeux artificiels ultimes et c'est moi qui suis à l'origine de ce chef-d'œuvre. Je suis un tel génie. S'il les possède, alors ça veut dire que... Oui, c'est exactement ça. Je détiens le Yachioko. Wesh. Naruto. Ouais. Vous réalisez maintenant la menace que représentent ces yeux. Malheureusement, il est trop tard pour vous. Non mais wesh. C'est quoi cette dinguerie? D'innombrables ninjas sont déjà victimes des arcanes lunaires. Ils évoluent maintenant sous leur influence. Je suppose que vous savez ce que ça implique. Dites-moi si je me trompe. La dinguerie, frérot. Leur chakra m'appartient désormais, comme vous le savez. Et je suis libre. Tout à fait libre de puiser dedans à volonté. C'est quoi ce bail de fou? Avec autant de chakras à ma disposition, je peux déchaîner la pleine puissance du kaléidoscope hypnotique du Sharingan. J'aurai la possibilité de recréer ce pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas vrai! Mais wesh! Mais wesh! Il t'a fait un Susano à la perfection! Bon! Comme il ne s'agit que d'une... Oh la dinguerie! Il y a quelques anomalies visuelles, mais cela devrait suffire à vous écraser une fois pour toutes. Oh, c'est un Susano de fou! À présent, ce n'est plus toi le ninja le plus puissant de tous. Oh, la dinguerie! Attends. Et il est trop beau, les gars. Plus que des insectes, comparé à moi maintenant. Euh,
est tenace, je le reconnais. Mais bon... Ouf. C'est terminé. Oh la dinguerie, frérot. Vous ne pouvez vraiment pas faire mieux? Vos réserves de chakras sont complètement vides. Pas la peine d'essayer de gagner du temps, ça ne marchera pas. Voici donc les derniers instants des deux grands ninjas qui ont marqué l'histoire. Tout cela est pathétique. On est en mauvaise posture! Concentre-toi! C'est donc ainsi que va s'achever votre ère misérable! Et c'est ainsi que va débuter la mienne! Wesh! Bordeaux! Comment ça se fait? Tu étais neutralisé! Nanashi. Wesh! C'est quoi ces bêtises là? C'est quoi cette dinguerie? Je déteste tout ça. Le monde des ninjas. Tous les ninjas. Mais... avec toi... c'est différent. Moi, je suis amoureuse de Boruto, les gars. J'espère qu'elle dort juste, hein. Je vais péter un câble, hein, sinon. Tiens bon, je vais en finir avec tout ça. Aïe 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 aïe, Boruto et Ikari, les frères. Pour qui tu te prends? Heureusement que tu es là, Boruto. Il n'a rien à faire là. Les enfants n'ont pas à interférer dans un combat entre adultes. Le problème, c'est que tu es allé trop loin. Mon père et ses compagnons... ont traversé des épreuves terribles pour réussir à créer ce monde. Le monde que nous connaissons aujourd'hui. Je n'ai pas l'intention de laisser quelqu'un comme toi venir tout gâcher. Mais surtout, ce que je ne peux vraiment pas tolérer, c'est la façon dont tu t'es servi de Nanashi après tout ce qu'elle a subi comme difficulté, sans la considérer une seule fois comme un être humain. Imbécile. Nanashi est juste... quel mal y a-t-il à s'en servir? Nanashi est avant tout mon ami! Jamais je ne pourrai te pardonner ce que tu lui as fait! Oh, la et la manière dont tu l'as traité! Wesh! C'est possible. Je transpire. Il transpire, frère! Il a seulement reçu le chakra de Nanashi, rien de plus. Oui! Fort bien. De toute façon, le plan consistait à exterminer les Kage et leur entourage. Alors je vais te régler ton compte à toi aussi! Désolé, mais en tant que parent, on ne baissera pas les bras tant que nos enfants combattront. Je suis bien d'accord. Ah, les frissons, les gars! Je ne m'avouerai jamais vaincu. Maintenant, finissons-en. Ah la dinguerie, les amis. Oh, vous kiffez ou pas, les frères? Twitch, TikTok, oh la team TikTok. N'hésitez pas à follow les frérots, on vient de passer les 50 000 followers. Merci à vous tous, les amis, let's go. Merci la team TikTok pour toute la force et tout le soutien. On a atteint les 50 000 followers, ça fait grave plaisir, n'hésitez pas à follow. N'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur Twitch, on est également là sur Twitch. Bientôt 90 000, donc je compte sur vous pour m'aider dans ce périple.
Est-ce que vous êtes prêts ou pas à réussir un combo de 10 coups? C'est incroyable les gars, allez. Merde, j'ai pas vu toutes les conditions. Alors attends, voir conditions de combat. Voilà, toucher 3 fois l'ennemi avec un ninjutsu et combo de 10 coups, vas-y, c'est parti. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ok, faut faire attention. Faut bien regarder le sol. Ok, on a reçu un combo de 10 coups, c'est bon. Ouf. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti, les gars. Pour vous, les frérots. Ich. Oh punaise de pomme de terre. Il fait quoi là? C'est bon. On va esquiver. Ça va, c'est facile ça. Je vous ai dit, oh les gars, Nanashi était beaucoup. Ok, il m'a pas touché. C'est bon. C'est bon. Ouais. Bon, oui. Skip. Ok. On va taper l'autre pied. C'est bon. On est loin. Ok. On est plutôt bien là. Ah mais depuis tout à l'heure j'ai même pas utilisé Naruto et Sasuke. J'ai même pas vu que je les avais. C'est bon, c'est presque fini les gars. C'est moi, c'est terminé. Trop facile. Il est dans le mal un peu, Merz. Je vais t'écraser. Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Ok, c'est pas terminé, les gars. On va se concentrer. Technique secrète et éveil inutilisable, impossible de changer de leader, ok. Ok, terminer 3 fois l'ennemi avec un... Non, toucher 3 fois l'ennemi avec un ninjutsu, et 2 fois l'ennemi avec une attaque de soutien. Ok, parti. Pourquoi te donnes-tu autant de mal pour sauver la machine? C'est juste un outil. Est-ce qu'on le touche d'ici? Normalement, on touche. Voilà, toucher, c'est bon. Ouf, par contre là, il fait mal, hein. On a déjà utilisé 2 permutes. Et périra en tant que tel parce que c'est son destin. En tout cas, je me suis servi de la. Par contre, il est cher. Oh, par contre, sur Susano, il est cher, stylé, frérot. Vraiment, je trouve trop stylé. Oui, arrête! Arrête! Ça, tu te le manges, je crois que tu te fais éclater. Non, c'est bon, facile. On esquive. Ouf. Oh, arrête! J'aime ma vie, frérot! Arrête! Arrête! C'est bon.
Oh punaise. Alors là, les 60% de vie, c'est foutu là. Mais j'ai pas le pattern. Faut que je sois en mouvement là. Ok. On va rester, on va essayer de s'approcher. Non mais c'est pas, c'est une dinguerie frère. Ok, onde de choc. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh punaise, oh punaise de pomme de terre. Oh punaise de pomme de terre. Oh ma vie! Oh non les gars, je crois que j'ai lose. Non! Je crois que j'ai lose! Au secours ma vie! Au secours! Sasuke! Naruto! Non! Il lui restait un HP, la vie de ma mère, il lui restait un HP! Non! Un HP, les gars. Un HP, il est pas mort. Un HP, il est pas mort. Comment ça continue, rendra le... Ah non, mais comment ça continue? Mais pas continuer, non. T'es ouf ou quoi? Réessayez, frère. Un HP. Un HP. Pourquoi te donnes-tu... Non, j'ai trop la haine, là, les gars. J'ai trop la haine. Je vous mérite pas, les frères. J'ai trop la haine. Putain, j'ai trop la mort. Ça y est, j'ai... Pour moi, j'ai recommencé le jeu depuis le début, les gars. Je suis pas mort une seule fois depuis le début de l'histoire. C'est n'importe quoi. Finesse de pomme de terre. Un HP, il lui restait. Rien du tout. Il lui restait rien. Putain. La haine. Ah, fallait utiliser Naruto et Sasuke à la fin, je me disais, c'était bizarre. Finesse. C'est bon frère, allez viens. Qu'il a échoué son ascension. Franchement, je me demande ce qui est le plus tragique. Non, j'ai pas. Ah, j'ai trop la haine, les gars. Faut me remonter le moral, les frères, dans le chat. Faut me dire, c'est pas grave. Vous commencez sérieusement à m'agacer. Pourquoi vouloir à tout prix me résister? Quoi qu'il arrive, votre ère est condamnée à prendre fin. Ouais, c'est ça. Wesh. C'est une dinguerie, ça aussi. Je suis prêt. C'est parti.
Sérieux là? Punaise de pomme de terre. Il est trop gaze. Comment j'ai fait pour perdre? Il est trop gaze. Il était trop gaze. Il était trop gaze. Il était trop gaze. Comment est-ce? Oui, j'ai dit. Comment j'ai pu perdre alors qu'il était trop gaze? Je suis le dieu. Oh. Qui marquera l'avènement d'une nouvelle ère. C'est inacceptable. Je ne peux pas tolérer ça. Wesh. 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 La rêve de Zinzin les gars. J'ai l'impression que j'ai ouvert une brèche. Boruto. Achève-la. Il a deux doigts de crier sangoua. Oh la dinguerie frérot. Oh les frissons de Zinzin. Oh la dinguerie. Ah, tchao wouan merz. Tchao wouan. Oh les frissons de fou. Je n'ai plus aucune force en moi. Maman ? Boruto Uzumaki. Le fait de te sous-estimer m'a conduit à ma perte. Tu te trompes. Notre monde est très puissant. Bien plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. Tu as simplement perdu face au monde que mon père et ses compagnons ont construit. Puissant, dis-tu? Pendant combien de temps, je veux le savoir, cela sera-t-il encore vrai? Je ne me suis pas trompé, bien au contraire. C'est une réalité. Il y a bien des gens dans ce monde qui désirent se battre. Oui, c'est possible. Mais ça ne te donne pas le droit de les traiter comme des objets. Ta façon de voir les choses ne rendait service à personne. Tu étais égoïste, c'est tout. Je trouve que tu as un sacré toupet, gamin. Peut-être bien, mais ce gamin t'a vaincu, en tout cas.
Il ne pouvait en être autrement. Ces enfants représentent la nouvelle force de notre monde. Ils ont hérité de notre détermination. Et cette force jamais ne faillira, sois-en sûr. Insinuerais-tu que cette puissance me soit supérieure? Changer le monde est un jeu d'enfant, finalement, lorsqu'on possède une volonté inébranlable semblable à celle des dieux. Lui, il était fou, lui. Lui, c'était un malade. Il s'agit là d'une force. Vraiment? Une force vraiment exaspérante. Petit coquin! Comment ça, petit coquin? Comment va Nanashi? Comment ça, petit coquin? Attends, on a entendu la même chose là! Je sais qui je suis. À présent. What the fuck? Mais non. Tellement heureuse. Attends, on reparle de ce petit coquin après, hein. Je mais là, il se passe quoi avec Nanashi? Boruto, de t'avoir eu comme ami. Mais tout ça était si, si douloureux. Je ne pouvais guère oublier le passé. J'ai vraiment t'en fais pas. Oui, je comprends. Désolée. C'est rien. Mais non. Tu vas pas mourir, Nanashi. Naruto. Où es-tu? Je suis là. Je suis là, juste à côté de toi. Prends-le. Mélange de nos deux. Qui c'est qui? Ce n'est pas grand chose. Mais arrête! Mais ça compte pour moi. Tu veux bien l'accepter? Oui, oui, bien sûr que oui. Faut qu'on continue à le faire grandir. Pour ça, faut continuer à se voir, d'accord? Oh non. Pourquoi? Pourquoi faut-il que ce soit la fin? J'aurais voulu passer plus de temps avec toi, Boruto. Ils vont m'achever là. Je vais sauter du rez-de-chaussée là. Oh ce bâtard, t'es goussé. Nous avons peut-être échoué cette fois, mais la prochaine... FDR. Ah lui, s'est fait monter en l'air, t'es goussé. Cheval à révolte de zéro. Putain, on a passé un moment émouvant à ça, frère. On est obligé de rigoler à la fin. Ils font chier. Mais par contre, une jeune fille a dû se sacrifier. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pourtant pas parti de grand-chose. C'est fini? Non. C'est fini? Mais non. Oh, j'ai eu peur. Suite à notre enquête,
Nous avons pu arrêter plus de 10 ninjas soupçonnés d'espionnage et de complicité avec l'organisation Zéro. Dans le cadre d'une investigation officielle de la chambre du Hokage, nous sommes également sur le point d'identifier un individu qui participait au financement de Zéro. C'est pas exactement ce que je t'avais promis, mais tiens, prends ça. Oh, c'est joli! Désolée, j'ai pas réussi à avoir le collier de papa. Mais je veux bien te prêter ça. Par contre, sache que ce collier est important à mes yeux. Est-ce que tu es sûre que tu veux me le laisser? S'il compte tellement pour toi. Oh bébé, oh bébé. Oui, garde-le. Il est, en quelque sorte, resté dans l'ombre pendant un certain temps. Maintenant, il peut enfin voir la lumière. Oh, la phrase de fou, mais quel lover. Ça m'a fait cracher. Je veux que tu le portes et qu'il soit exposé au soleil. N'hésite pas à le mettre, Emma. Malheureusement, je vais être pas mal occupée par mes missions. Et je crois que je risquerai de le perdre. Toi, je sais que tu en prendras soin pour moi, petite sœur. En fait, je ne suis pas sûre de comprendre. Je dois veiller dessus, c'est bien ça. T'es débile, cette petite, là. Oui, exactement. T'as tout compris. Rien compris, cette petite. Go, tu dois le porter, c'est ça, frérot? C'est fini. Bon, je vais jouer maintenant. D'accord. C'est fini. La meuf, la petite, elle va aller jouer, elle va le perdre. Mais lui aussi, c'est un débile, il lui donne ce collier. Quel final. Et quel final. La fin, je crois, les gars. Oh là, quelle histoire originale de zinzin, les frérots. TikTok, Twitch, on a eu l'un des plus beaux et gros bangers de l'histoire de Naruto, les frérots, dans un jeu. Je le dis haut et fort, oui, les frères, ça ne change pas trop de Storm 4. Bon, il y a des changements quand même, mais la VF et l'histoire originale ont tout rattrapé, les frères. Je me demande pourquoi je skip. Les choses peuvent vraiment continuer. Pourquoi je dois skip? N'arrête pas d'y penser, c'est en boucle dans ma tête. Pourquoi je skip, les gars? C'est en train de parler là. Attends, il a dit skip urgent, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois skip? Ne serait-ce que l'ombre d'une chance. Fais-moi confiance. Skip, tu verras, mais frérot, il est en train de parler. Après tout, elle a déjà suffisamment souffert comme ça depuis qu'elle est toute petite. C'est pour cette raison que, pour son bien, je veux qu'elle suive une nouvelle voie, qu'elle ne reste plus jamais dans l'ombre. Qu'elle marche enfin dans la lumière. Le verre. Comment ça? Comment ça, le véritable chapitre? Ce n'est pas terminé, les frérots?